nationaliste. Je pense qu'ils l'ont été, au point de perdre la vie, tout bêtement, le corps trop fait de munitions. L'important c'est de savoir comment tes frères vont te traiter. En est-il une punition que tu commences à écrire et que tout te tombe dessus? La gloire journalistique est maudite et elle te tombe ainsi. T'as pas eu croire que c'était autre chose, hein? Maintenant t'es déçu, je sais, mais sache qu'ici, écrire, c'est aller à la guerre. Ta plume sera ton arme et elle ne devrait guère te quitter. Tes pensées seront tes alliés. Prends garde donc à ne guère les avoir petites. Sinon, ce serait comme des balles de neuf, car en face, il y a la lourde artillerie. Une énorme tuerie qui décide de faire de l'écriture un suicide. Mais l'amour fera de nous des stupides. Ne savent-ils pas que la mort passionnelle existe depuis des lustres? Que l'écriture plus de la châtie devient robuste. Mourir pour ses idées et vivre comme un homme. Rire de ce qui est la vérité des hommes. Journaliste, tu l'as aidé dans le rang des hommes. Dans la mort précipitée par les mêmes hommes. Mourir pour ses idées et vivre comme un homme. Rire de ce qui est la vérité des hommes. Journaliste, tu l'as aidé dans le rang des hommes. Dans la mort précipitée par les mêmes hommes. Je ne suis pas habilité, c'est vrai, à dire des choses que je n'ai pas l'habilité de pouvoir manier. Et sur le palier du domicile de la mort, tu comptes. Juste en temps, tu te demandes si tu t'es trompé de vocation. S'il faut affronter tes notations, non. Hélas, c'est juste la prompte vérité qui te menace. Celle pour laquelle tu t'es battu qui te fait des grâces. Mais relax, nègre, ce n'est pas le scénario de la bonne dame à laquelle tu portes secours et qui te condamne. Non, ce n'est pas non plus celui du loup qui t'est vendre après l'avoir sauvé, parce qu'il n'a rien dans le ventre. Derrière la vérité, y'a ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on la vérifie, qui font passer d'abord leurs intérêts avant le peuple, même quitte à commettre l'irréparable. Journaliste nègre, c'est noble, mais journaliste, c'est dangereux. Mourir pour ses idées et vivre comme un homme. Rire de ce qui est la vérité des hommes. Journaliste, tu l'as aidé dans le rang des hommes. Dans la mort précipitée par les mêmes hommes. Mourir pour ses idées et vivre comme un homme. Rire de ce qui est la vérité des hommes. Journaliste, tu l'as aidé dans le rang des hommes. Dans la mort précipitée. Le vrai soldat, c'est pas celui qui tient l'arme. Une Kalachnikov et des cartouches qui désarment. L'autre, moins armé, mais l'autre avec la plume faire ressentir les larmes d'un peuple. Le vrai soldat c'est des idées, pas celui qui participe au meurtre prémédité. Non, le vrai soldat c'est la parole. Reste homme non corrompu et sans carrosse. Sans carrosse. Norbert c'était ton soldat. Jean-Hélène ou Serge marchaient et c'était des soldats. Valeureux tout comme leurs prédécesseurs. Ils tombent le stylo à la main, pan, sans savoir que s'ils sont faibles de corps, d'esprit, ils seront toujours à tort ou à raison parmi les forts. Et que la force sera toujours une arme des faibles. D'esprit qui voit la mort tout comme la faim. Qui a pour but de se protéger soi-même et les siens. D'accumuler les biens afin de mettre à l'abri toute sa famille et même ses chiens. À toi la plume étouffée dans l'encrier. Au stylo chaque jour qui ne cesse de décrier. L'écho des 100 voix dans la blancheur d'un papier. Car indépendant la vérité chemine à pied. Fouillé dans les décombres de ce qui est voilé. Étrangler le mensonge à l'aube de nuit étoilée. Aux âmes envolées pour la noble cause. Aux acteurs qu'on a oubliés, je dépose une gerbe de fleurs que le futur arrosera. Au nom des épines dans les roseraies.